Hello Nurse Skull, bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la série Rimworld Colonial Place Gaming. Alors, j'ai pris le temps avant de commencer l'épisode de retravailler certaines choses pour faire en sorte que nos priorités pour nos colonies soient un peu meilleures. J'ai demandé à déconstruire un peu la prison parce qu'on n'aura jamais plus de prisonniers et qu'au pire je referai les murs. J'ai demandé à ce que les tons soient prioritaires pour couper tous nos morceaux de pierre pour que ça continue d'avancer. J'ai demandé à Jenkins et Skull de nous hauler et de nous nettoyer toute la base, parce que c'est un truc que j'ai du mal à supporter, et que c'est le moment de le faire. J'ai demandé à Muguet de devenir notre Taylor, donc voilà la nouvelle organisation, et donc du coup de baisser un peu les priorités sur... où est-ce qu'il est là, donc il sera notre Taylor. Et je vais retirer un peu d'autres trucs, le minage notamment, tout ça. Donc du coup, j'aimerais que lui gagne des niveaux pour qu'il arrête de nous faire des vêtements de mauvaise qualité. Et du coup, que nos colonistes aient de meilleurs vêtements. Excellent, j'ai découvert la présence de ce panneau assigne pour nous faire une drop policy et la manière dont ils doivent porter leurs vêtements. Et donc du coup, là, à l'heure actuelle, j'ai remis en mode hiver pour qu'ils puissent porter des vêtements un peu plus chauds. Cependant, j'ai raté quelque chose, c'est que je viens de me rendre compte, je viens de le mettre et je viens de me retirer la pause. Ce qui se passe, c'est que du coup, Muguet. Voilà, je pense qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un détail que j'ai oublié. Voilà, il s'est mis une naquette. Pourquoi? Parce que dans Assign ici, dans ma policy Winter, qu'on va aller voir ensemble, j'ai dû mettre le normal. Et donc, du coup, ils se sont mis à poil parce qu'ils n'ont pas trouvé de vêtements à se mettre sur le dos. Donc, on va changer ça. Et normalement, ils devraient se remettre des vêtements comme il faut. Du coup, ils ont tout retiré. Ils ont tout retiré. Ils ont... Voilà, donc, du coup, Skull vient se rhabiller. Il a le droit de prendre n'importe quel vêtement. Il prend les meilleurs qu'il a à disposition. Et donc, à partir du moment où nous aurons un meilleur Taylor, à savoir Letton, quand Letton sera à faire de meilleurs vêtements, nos colonistes iront porter des meilleurs vêtements, de meilleure qualité. Après, il y a une différence entre le pourcentage et la qualité que j'ai peut-être pas bien capté. Et donc, je pense qu'en fait la qualité c'est. Ouais, non, en fait, je pense rien du tout. Parce que, après, chaque qualité a son niveau de dommage en fait. Et si le niveau de dommage baisse plus vite, si ça c'est pas dans un endroit comme ça. Donc voilà, accessoirement, j'ai baissé à Jenkins pour les 1000. Je lui ai demandé d'arrêter de faire manger, juste retirer, baisser d'un niveau. Parce que on avait beaucoup de mines en ce moment, et je me suis aperçu aussi que maintenant il avait la capacité de pouvoir faire les lavish mines. Les lavish mines, c'est les méga super repas qui déchirent. Donc du coup voilà. Bill complete long sword. Qui est Bill? D'accord, peu importe. Donc il a complété une long sword qu'il a dû ranger là-dedans. Là voilà, super. Elle est off full mais on a une super long sword. Oui, je t'ai entendu. Donc Muguet nous fait des... Oh my god. Ok, tout est drafté. Ok, ça on connaît. On connaît, enfin moi je connais. Je sais ce que c'est, je l'ai vu dans Drafted. Vous allez vous mettre tous ici. Alors ça, je l'ai vu sur une vidéo YouTube, c'est assez impressionnant. Vous allez découvrir ce que c'est. Pipoun, tu vas te mettre ici. Jenkins, tu vas te mettre là, comme ça. Ou alors juste devant, là. Et Skull, tu vas te mettre... tu vas tirer par-dessus les poils Muguet. Non. C'est un mauvais calcul. Ok, on va faire ça. Alors ça pue. Alors regardez bien ce qui va se passer. Muguet reste là, Jenkins reste là. Regardez bien ce qui va se passer. Donc ça, ce truc-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va faire un poison, il va déployer un poison qui va pourrir tout ce qui est autour de d'eux. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est va demander à nos tireurs, donc Pipoun et là, toi et toi. Yes, les deux, tire sur lui. Vas-y, tire encore dessus. Donc ça, ce sont des mécanoïdes, ce sont des cyphers. Alors ça déploie un poison qui va pourrir nos cultures. Accessoirement, ça déploie aussi des méchants.
qui sont là pour nous pourrir, et accessoire. Oh la vache, ça fait très mal. Donc Pipoune, tu vas continuer à péter ce truc là, Skull aussi. Et on va espérer que les tons arrivent à tirer sur cet homme. Il n'y arrivera pas. C'est pas un exercice pour lui, c'est pas un exercice pour lui. Les tons, en fait, on va le mettre ici. C'est Pipoune qui va prendre sa place. Pipoune, tu te mets là. Et tu vas aller m'attaquer cet homme. Yes. Est-ce que tu continues ton boulot? Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, on arrive à descendre ce truc-là jusqu'à la fin. Oui, il y a une espèce de d'aura autour qui se déploie. Et du coup, ça empêche les trucs de pousser et ça tue tout autour de soi, en fait. Voilà, donc c'est décrit ici. Et donc, c'est en train de faire fuiter des matériaux toxiques qui empêchent du coup de la pousse des plantes, comme on a dit. Et il faut le détruire le plus rapidement possible, ce que l'on est en train de faire. J'espère qu'il pourra réussir à le tuer. Où est-ce qu'il en a eu? Donc il n'a pas été touché une seule fois. Les tours, c'est pas peine de tourner les pouces. Ce qu'on va faire, c'est Jenkins, tu vas venir là. Tu vas faire le tour. Et Muguet aussi. Vous allez faire le tour tous les deux. Et tu vas mêler attaque cette chose. Et Jenkins, tu vas mêler attaque cette chose. Parfait. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rapprocher les tons aussi pour qu'ils puissent défendre quand le truc sera pété. Nos gars. Injured. Injuré? Merde, il est... Pas mort, c'est bon, il est pas mort. Pourquoi il est capoute là? C'est moi qui lui ai fait tomber son arme? Incapable? Putain, j'ai cru que c'était encore un truc qui déroule une grosse horreur. Ok, 7%. Les tons, place-toi ici. Jenkins, viens là. Ok, donc là c'est parti. Je pense que ça va être très très dur là. Mais c'est le moment. Skull, rapproche-toi, parce que tu tires pas bien. Et donc là, tu tires sur cet homme. Non, le béton! Ok, c'est bon. Tout le monde est dédrafté. Jenkins, Miguel, tu vas. Mets l'attaque tout def. Non, non, Jenkins. Non, non, Jenkins, faut qu'il aille se reposer. Skull. Rescue Pipoune. Ok, on a réussi. C'est super. Ok, donc ça s'est bien passé. La chance qu'on a eu, c'est que c'est tombé en plein milieu de notre base. Ce serait tombé hors de la base. On aurait été mal parce qu'on n'aurait pas eu de défense. On n'aurait pas eu rien du tout. Accessoirement, ça nous a pété notre. Oh, par contre, ça nous a fait du style. Ok. Super. Par contre, ça nous a pété notre... Et ça, on peut pas les rescuer, c'est pas possible. Donc, tu vas aller me dégager ça. Ça nous a pété notre... Growing Zone. Nickel, normalement, c'est bon. Drafted, c'est bon. Tu peux retourner à tes activités, aller soigner tous les colonistes. Waouh, ok, c'était... costaud. Heureusement que c'est tombé ici qu'on avait les 100 balles et tout ça, mais donc c'est la première fois que je combat des humanoïdes, je crois, j'ai jamais combattu des humanoïdes. J'avais dans une vidéo YouTube, on a fait le coup du poison et tout ça, c'est vraiment pas cool. Cargopods, qu'est-ce que c'est que ça? Flake? Flake, ça doit être de la drogue, je pense. Est-ce qu'on peut avoir une information là-dessus? Powerful Euphoric State. Expansionally addictive. Alors on va le prendre pour aller le revendre. De toute façon, ils ont pour consigne de ne pas prendre de drogue, donc ils prendront pas de la drogue, j'espère. Ça s'enterre pas par exemple, ça ne s'enterre pas, je ne pense pas. On va voir si on peut. No anti-grave configure to store it. Ah bon, et ça c'est quoi? Contains nothing. C'est étrange ça. Parce que ça, des graves, elles sont construites et elles sont là. J'en ai fait une construite tout à l'heure avant le début de l'épisode. C'est peut-être un bug, on verra plus tard. Ou alors c'est peut-être dans le mauvais sens, mais on s'en parle. Ok, donc la colonie reprend ses droits. L'éton est soigné. Quelque chose que je voulais faire aussi, c'était. And they have a minor mental break at any time. On va aller voir ce qu'ils ont besoin en vitesse 1. Needs. Very ugly environment. Ah ouais, mais ça c'est. Oh merde, il a tenté une romance avec les tons mais s'est fait rejeter. Slept in the cold.
Ou Eric Warnat à parallèle. Ah, ça. Jenkins, qu'est-ce qui ne va pas, montre-moi. Qu'est-ce qui ne va pas ici? 37 armor vest, c'est ça qui t'emmerde? Oui, mais ça te protège, mon pote. Donc, écoute, j'accepte, tu la retires. On va juste aller la hauler, et puis voilà. Ok, donc qu'est-ce qui se passe ici? Ça serait bien que je reprenne la recherche aussi, mais j'aimerais vraiment que Jenkins et Skull continuent leur hauling. Ça se passe très bien, ça s'emplit bien ici. J'aimerais que les tombes, du coup, continuent à nous faire des blocs. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait un bloc de limestone. Je sais que limestone, c'est pour... ça, c'est la sandstone. À vrai dire, notre mur est fait. Notre mur est fait. Et où est-ce qu'on entrepose nos blocs? Quand ils sont effectués, on va essayer de suivre les tons pour voir. Tac, 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 tac. Il est mis là. Yes. Donc on a de la limestone, du slate. Du coup, on va en profiter ici pour faire un slate wall. Structure. Hop. Un slate wall. Slate wall. Hop là. Qui va aller ici et là. Yes. Tâteur d'appareil pour Jenkins. Montre-moi. Montre-moi, petit homme. Hop. Ah, si vous saviez aujourd'hui la joie que j'ai eue sur le super serveur de Pipoun, sur Minecraft, on a joué, on a fini avec Gitty et Don et Waffleman de faire les. En fait, ils revalent, ils veulent chercher automatiquement. C'est vous ça. Et donc, on est allé au temple de l'eau. Et donc du coup, pourquoi incapable? Je vais pouvoir parler si il m'arrive des trucs comme ça, c'est sûr. Pourquoi Pipoun est incapable? Oh! Left arm cut off. Non. Pipoun s'est fait couper le bras. Hunter at range et weapon, Pipoun ne peut plus tirer. Pipoun a besoin d'un bras de remplacement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on capture quelqu'un et qu'on lui pique un bras. C'est hallucinant. Oh, c'est pas possible. No empty grave. Ça, c'est pas empty tubular storage. Ah, d'accord. Holo, là. Je vais faire ça partout. Putain, c'est vraiment très chiant. C'est vraiment très très chiant. Hop. Hop. Allez, ça y est. Normalement, il devrait porter les trucs là où il faut. Pipoun, du coup, il a plus de bras, il peut plus tirer. Alors, il y a plusieurs choses qui m'énervent à l'heure actuelle. C'est que déjà, on n'a pas de grower. Jenkins n'a pas le niveau de gros nécessaire pour pouvoir faire pousser des heal routes, notre médecine, et il nous en reste 88. Donc, il faut qu'on se rouille et lui faire monter ces deux niveaux manquants pour faire gagner des heal routes. Et ensuite, une autre chose qui m'énerve, c'est que là, Pipoun, s'il peut pas. S'il peut pas faire des choses, on est dans le noir. Pipoun est idle, d'accord. C'est que Pipoun a sûrement fini de faire ce genre de choses. Tu vas continuer à me crafter parce que, en fait, c'est bien que tu me craftes des choses. Tu vas carrément en faire 10 en vie. Et parce qu'en fait, si ton niveau augmente en crafting, ce serait vraiment très confortable. Oh putain, ça fait mal. Ça fait très mal. On a littéralement Pipoun qui ne peut plus rien faire. Il peut plus rien faire. Littéralement. Donc là, en fait, l'urgence, c'est de trouver un bras de remplacement pour Pipoun. Ça, c'est vraiment urgent. Accessoirement, est-ce que ça s'est construit? Granite block wall. Ok, donc on a oublié quelque chose. Major. Oh là là, putain. Je suis dégoûté pour le bras de Pipoun. Oh, j'ai fait une grosse connerie. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Rimworld, je me fais punir comme ça, c'est vraiment pas cool. La door, tu vas me la faire en slate block, parce que je crois qu'on en a de côté. Tu vas me la faire ici, c'est pas mal. On va demander à... Donc du coup, c'est Muguet de nous. Need materials? Qu'est-ce qu'il te demande, dis-moi. Slate block 25. Et là, on en a 4. Bon, on va attendre. Mais dans presque risque, Pipoun, pourquoi tu n'es pas content? Disturbs in a little payment, tu m'étonnes. Et en plus de ça, je crois qu'il a eu une infection. Siphon infection dans son torso. Oh mon dieu. Montre-moi, Major.
Right Radius Shattered. Putain, c'est dégueulasse. Manipulation de l'âme, peut littéralement plus rien faire. Muscle Parasite, pour qui? Oh la vache, pour les dons. Bah c'est Skull qui s'en occupe. Hein. Et voilà, c'est fait. Bah écoute, j'espère que tu. Ok, on est vraiment pas bien du tout là. Je me sens pas bien du tout. Left Kidney Destroyed. Merde. En fait, j'aurais pas dû attaquer cette chose au corps à corps. Et j'aurais dû rester à distance. Mais je connais pas du tout les humanoïdes. C'est pas du tout comme les humains. Ça dégage des parties de. Bon, en tout cas, faut voir la bonne nouvelle, c'est que. On a de quoi. On a de quoi faire de. Comment dire. De la chirurgie sur nos colonistes. Et pour ça, on va essayer de se servir des prisonniers qui passent. Quand j'arriverai à les recruter, ce serait pas mal. Alors, je vois que là, ici, on a de la. Oh, c'est bon ça. On arrive à commencer à réussir à rouler le truc. Ça, c'est parfait. Major Break Risk, Pipoun. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais écoute, je peux pas faire grand-chose pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu te reposes, tu m'étonnes. Oh, quelle horreur. Sévère Lunesse. Aïe, 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 c'est chaud. C'est chaud, mon ami. Ça pue. J'espère que tu vas y arriver, mon pote. 95%. Il a été traité, il devrait s'en sortir. Et Pipoun peut revenir à la vie si on lui arrive à lui acheter des trucs bioniques. Donc, en gros, la Pipoun, pendant très longtemps, il n'y aura rien à faire. Donc là, c'est comme si j'avais développé l'immunité, c'est bon. C'est comme si j'avais un coloniste qui pouvait pas faire grand-chose. Et c'est littéralement le cas. Il peut rien faire. Il peut chercher, mais il n'est pas bon. Il peut être warden. Bah, à la limite, il sera warden. Mais ouais, mais il n'a pas un bon skill. Oh, putain, c'est pas cool. Du coup, il va être idle tout le temps. Ce qu'on va faire, c'est que bah, tu sais quoi? Dans ce cas-là, écoute, tu vas gagner. Pipoun, tu as bien mérité. Jenkins, Pipoun, Joy, Everyday, All Day, matin, jusqu'au soir. Je peux pas faire plus. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc là, il devrait voilà, going for a goal, qui est s'amuser et se reposer. Ok, alors là, je vois que Letton a un problème. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Oh putain, la vache. Next treatment, d'accord, et il nous faut un kidney. Je pense que ça doit se trouver. Oh, il si comme ça, tired. Haven't slept in a while. Mais tu te feras bien d'aller pioncer, mon ami. Écoute, fais ce qu'il faut. Hein. Wandering, Pipoun. Ça va faire que j'arrête de regarder ça. C'est Pipoun. Et du coup, en fait, là, ce que je me rends compte, c'est que on va aller retirer aussi le hunt. Qui c'est qui peut prendre le sniper rifle? Du coup, je crois que c'est Skull. On va lui demander d'équiper ça. Très bien. Est-ce que vous arrivez à nous nettoyer ça, Skull et. Yes, ça y est, il commence à nettoyer. C'est-à-dire que le hauling doit se passer bien aussi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du slate. Je vois qu'il galère à faire ce mur-là. Donc en fait, on va le cancel et on va remplacer ça par du slate parce que je vois qu'on en a pas mal. Donc on va continuer à faire du slate. Je disais sinon qu'en effet aujourd'hui on a fait le temple de l'eau dans Minecraft et que ça avait été énorme, on a fait ça avec Don, Inara et Guilty. Et on s'est amusé comme des petits fous. C'était tendu, tellement tendu que Don il n'arrivait même plus à parler à la fin. C'était très très impressionnant. Si vous saviez par quoi on est passé, c'était vraiment absolument fou. Je vais vous raconter en fait. C'est très simple. Enfin c'est très simple. Ce qui s'est passé. C'est qu'on a eu besoin de faire du coup des. Je sais pas ce qu'on a, donc je vais faire cloth. Et on va mettre ça, un pour Jenkins, un ici, puisque c'est mieux. Et un pour Skull. Et très simplement, on a eu besoin de. Oh, c'était ouf. Alors, déjà, le temps, du coup, il y a des gardiens, il y a des mini-gardiens, des grands gardiens. Et pour s'occuper et je finirai mon histoire plus tard. Oh non, c'est pas possible, quelle horreur. Oh putain, je crois que c'est. On approche la fin de la colonie là. Je le sens pas du tout. Est-ce que tu peux te battre au moins? Si tu peux te battre, Pipoun, je voudrais que tu équipes cette longue sword. Oh, putain, je peux pas. Et bah cache-toi. Dans ce cas-là, on va aller chercher tout le monde. Drafté, Jenkins, drafté, vous allez vous placer ici.
que là, Mugué, hop, Mugué les tons ici. Est-ce qu'ils arrivent tout de suite? Non, ils planifient un peu leur attaque. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez en profiter pour... qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais vous dédrafter, vous allez retourner à vos activités, juste vous planifiez sélectionner et observer quand est-ce qu'ils vont passer à l'attaque. D'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est carrément aller au contact pour éviter de me faire marcher sur les pieds. Donc stop, là on fait drafter et vous allez venir ici. Et là c'est parti et ça pue grave. Donc là, on va faire passer Jenkins ici. Ok, ah c'est beau ça. Est-ce qu'il me manque un coloniste là qui doit être dans le coin? Parce que là j'ai combien? J'en ai 3. Il me manque Skull qui est en train de revenir du fond. Oh putain, il va faire un gros flingue de bâtard. Ok, on y croit. On y croit. Alpaca, Jenkins, tu tombes pas les pouces, tu vas mêler attaque. Oh là là là. Ok, très bien. Jenkins, tu continues. Tu vas me mêler attaque. Putain, et l'alpaca, franchement, c'est un MVP. Il est trop fort. Il est juste trop trop fort. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ça c'est béton, ça c'est Mugué, faut pas détourner les pouces. Oh la vache. Ok, ils sont en train de... Ouh, c'était magnifique. C'était absolument magnifique. Personne n'est down. On a concentré nos forces et tout le monde est debout. C'est absolument fou. Ce qu'on va faire, c'est qu'en effet, vous allez me tirer cet homme. On va essayer de faire un prisonnier en plus parce que là on a besoin de membres. Donc là venez ici, allez me chercher ce gars-là. Là, je veux que vous me disiez attaque. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que je peux attraper sur le chemin de retour là? Non. Donc c'est lui ou rien d'autre. Et Mugué, pareil. Ok. Alors, vous êtes undrafted. À moins que. Est-ce que Mugué va réussir à l'attraper? S'il se démerde bien, il arrivera à l'attraper. On va dire que oui. J'ai pas vu Skull. Capture-moi cet homme immédiatement. Peu importe ses stats. Et ensuite, Letton va te reposer. Yes. Skull, tu me captures cet homme et ensuite tu t'occupes des gens. On va aller voir Jenkins. Est-ce que. Ok. Undrafted. Vous n'avez pas réussi à le voir. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que pendant que Jenkins et Mugué reviennent ici, vous allez me stripper ces hommes. Il me foutra quoi, donc vous allez prioriser le stripping. Est-ce que vous faites de suite? Non. Donc hop, strip. Strip. Jenkins. Strip. Ça, c'est pour avoir des vêtements. Comme ça, on est un peu mieux. En plus, ils ont des bons vêtements. C'est-à-dire que nos colonistes devraient avoir... oui, ils ont des parkas normales et tout. C'est cool, ça. Ça rend super. Du coup, est-ce qu'on peut les burying? Ouais, c'est ça. Donc là, on va les bury. Et ensuite, Jenkins va te reposer. Là. Va te reposer. Je vais garder une idée sous le coude. Je vais demander d'aller tending to Jenkins. Why not? Je vais attendre qu'il ait fini. C'est marqué en bas, là. Yes. Tending to Alpaca 2, c'est parfait. C'est pas les tons qu'il devrait construire, mais c'est pas grave. Tending to Alpaca 2. Jenkins, on colonist idle, c'est bien pipoune, tout est bon. Mugué à la forme et les tons aussi. Les tons, qu'est-ce qu'il fait? Stone cutting et Mugué, il tending to Val. D'accord. Ah, mais c'est parfait ça. Oh là là, mais c'est pas mal. N'est-il pas magnifique? N'est-il pas magnifique? Allez, foutez-moi tout ça là où il faut. C'est nickel. Zinoga incapable of walking. Voyons voir ce que tu as. Quels sont tes. Prisoner, 99%. Ok, alors là, il y a. Soit on se casse le cul à essayer de le recruter, et comme il a 99%, c'est trop chaud. Soit. On essaye de
No interaction, mais d'aller dans elf. Non, c'est dans social. Ou alors c'est. Donc ça va être. Comment on fait déjà? Je sais qu'on peut faire add bills quelque part pour lui retirer tous ses membres. Donc je pense que si on fait nuguer. Strip. Non merde, comment je peux faire? Je crois qu'on peut. Ah voilà, opération add bills. On a besoin d'un kidney, d'un liver. Donc on va commencer par l'euthanasier. Ensuite, je vais lui prendre un. Non, 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 pas l'euthanasie. En fait, on va juste faire comme ça. Oui, bonjour. Merci, passez. Qu'est-ce qu'on a besoin? Je crois qu'on a besoin d'un lit. Je vais prendre left en right, peu importe. On va prendre au cas où un lung. On va te prendre un. Donc, est-ce qu'on peut te prendre un bras par hasard? Joe, heart, lung, kidney, liver, left leg. Amputate left leg. Yes, ampute-moi la left leg. Ensuite, installe. Amputate. Yes, ça c'est bon. Et ensuite, tu m'installes une peg leg du left. Voilà, c'est parti. Qui c'est qui va s'occuper de ça? Je ne sais pas. Je pense que c'est ce qu'elle. Oui! Oh, c'est juteux, il y a tout le sang et tout! Ah, c'est dégueulasse! Disease infection. Voilà, sans blague. Mais tu sais quoi, je m'en fiche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que ça se sera fait, on va le release. Parce que ça, on ne pourra pas le recruter. Donc en fait, ce qu'on va faire après, c'est que c'est donc laiton sur son elf. Ici, on va lui mettre. Voilà. Val has died during surgery. Oh merde. Qu'est-ce qu'on a récupéré du coup? Liver. Merde. Merde, on n'a pas de kidney pour les tons. Ah, oh, je faisais trop le malin, c'est pas possible ça. Fais chier. Ah, ça me rend fou. Les tons Jenkins. Donc, les tons, montre-moi ce que tu as besoin. C'est toujours la même chose. Very joy deprived. Restrict, les tons. Je comprends pas comment tu marches, les tons. Est-ce que tu aurais pas par hasard un trait qui te rend accro au travail par hasard? Non. Non, 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 c'est pas ça. Very joy deprived, innocent prisoner died, someone killed by organ harvest. Ah putain, mais c'est sûr que ça ajoute, ouais. Ça ajoute à mort. Est-ce qu'on a récupéré du style accessoirement? On n'a toujours pas de colonist idle, c'est normal, Pipoun est en train de pioncer. Pyrnopods, voyons voir ce qu'on a récupéré. Des agave fruits, c'est magnifique. Et ça, c'est toujours bien de hauler, surtout que c'est assez proche, mais on a déjà tout ça qui est. Ouais. Donc là, on n'a vraiment plus besoin de hauler les choses. C'est mort. On cancel. Et on reprend ça. Et ah oui, sinon, c'était Jenkins qui avait besoin de quelque chose. Needs feeling terrible, bah oui, mais bon. Outsider's death. Duty, comfort, space, mood, ça va à peu près aller. C'est vrai que les tons, il n'a pas la forme. In a moderate amount of pain. When will it end? Eh bien écoute, quand on t'aura trouvé un kidney. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas la joie. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de faire l'opération, de te prendre un kidney. Malheureusement, ça n'a pas marché, il faudra que je priorise ça. On commence vraiment à être rempli en tout. Ça serait bien qu'on puisse vendre toutes ces choses-là. Parce que là, je vais plus avoir de place. On va bientôt réussir à passer l'hiver. Normalement, il fait encore 9 degrés dehors, donc ça commence à se stabiliser. En tout cas, tout le monde bosse sur des trucs. Est-ce que. Ah oui, on va regarder le niveau de Pipoun. Oh putain, je vais lui mettre un timer. Si je dépasse une demi-heure, je vais encore me faire tuer. Pipoun, non. Pipoun, il peut plus faire ce genre de choses. Putain, je m'en remets tellement pas. Au moins, j'ai pris une sacrée leçon. Ça, c'est ouf. Ah, laiton, ça qu'il est pas bien du tout là. Major avec risque, c'est laiton. C'est laiton, c'est clair. Ouais, bah oui, Fairy Tire, mais il suffit que t'ailles pioncer. Hein. Si on donnait à laiton un day off. Et si laiton, on lui demandait. Parce qu'elle est sa chambre. Un hall, laiton. Si t'allais te coucher, franchement. T'as le droit, hein. Franchement, t'as le droit.
Enfin bref, aujourd'hui on est allé faire le temple sur Minecraft. Et donc ce qui était vraiment très chaud, c'est qu'on a pris minimum juste une épée, de l'armure et une potion pour respirer dans l'eau. Mitya a fait des portes pour recharger la barre quand vraiment c'était chaud. Et donc ce qui s'est passé, c'est que au début on a fait un premier aller pendant 8 minutes, on a trouvé zéro gardien, c'était complètement atroce. Il fallait qu'on apprenne à jongler avec les blocs pour réussir à s'en sortir. Et c'était pas facile facile. Et donc s'en est suivi ensuite une deuxième expédition où on a réussi à trouver deux gardiens. Mais sur la fin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 8 minutes, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus d'air. Et que du coup, il fallait sortir les doigts du cul pour trouver la sortie. Et on a galéré, il a fallu jongler, poser des blocs, aller sur une dehors pour tout récupérer, pour récupérer l'air. Et puis c'était vraiment atroce. Et éloigner les mobs, se cacher, s'entraider du mieux possible jusqu'à arriver au bout quoi, pour ressortir. Et donc du coup, là, à l'heure actuelle, il nous reste encore un gardien à buter pour enfin pouvoir exploiter un peu ce temple. D'après Gipsy, il y a pas mal de choses à faire, c'est pas mal. Donc j'ai hâte de voir la suite demain normalement. J'espère que du coup mes chers camarades me rejoindront. Food poisoning from Simple Meal, bah voyons. Accessoirement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de grouper les ressources comme ça, nickel. On va déployer la médecine, on va déployer. Ça, on s'en fiche. Ça, ce sont les composants, ça, c'est la food. On va déployer du coup végétarien et les. Non, ça, on s'en fiche, les viandes. Ça, c'est quoi? Simple Meal. Bah, très bien. Très bien, très bien. Donc voilà, j'espère qu'on pourra avancer là-dessus. Accessoirement, ça c'est quoi? C'est du slate. Et les tons, il nous fait quoi là? Du limestone. Là ici, il nous fait du granit. Est-ce qu'il y a un moyen qui puisse nous prioriser le slate? Parce qu'en plus, il nous en reste. Qu'est-ce qu'on a de côté là? Je vois qu'on a du slate ici, on a du granit là, 83. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que. Et là, on a du granit. Donc on va annuler. Hop, on va demander de faire un mur qui ressemble à slate granite. Yes, there you go. Et là, normalement, Mugi devrait sortir de sous les fourrés et de nous faire notre super mur d'une minute à l'autre. Yes, there we go. Voici notre mur qui est en train de se dresser. Jenkins le joint et les tons qui, du coup, nous fait c'est. Super stone cutting toute la journée, toute la journée, toute la journée. C'était pour ça qu'il est un peu totally joy deprived. Ok, alors là ce qu'on va faire, c'est que là les tongs ça va pas du tout. Je sais pas ce qui t'arrive, mais là tu vas me faire du joy et du joy et tu vas nous faire juste quelques heures de travail. Ok, et bien c'est pas mal pour cet épisode. On n'a pas beaucoup avancé parce que on a perdu notre tampon. J'espère qu'on pourra au prochain round tuer des gens pour. Les remettre sur pied, encore une fois, j'ai besoin de vachement de gens pour faire la colonie et avancer plus rapidement. Et ça commence à être vraiment chaud, chaud, chaud. Et ça se voit que c'est ma première. Wow, colonist treatment. D'accord, c'est parti. Ça se voit que c'est ma première partie de Rimworld, que j'ai pas beaucoup d'expérience. Apparemment, les tons et James qui s'en sortent vachement mieux, surtout les tons qui m'a dit ça. Donc on va voir. Je vais essayer de me rapprocher un peu lui pour savoir ce que je fais pas bien. Il m'a dit qu'il y avait des choses que je ne faisais pas bien. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai pas mon timer, mais je pense que ça va faire bien une bonne demi-heure que je fais cet épisode. Je vous dis à la prochaine. J'espère que j'arriverai vraiment à faire avancer un peu la colonie. Sinon, je serais pas contre recommencer. C'est une idée qui commence à venir un peu dans ma tête. Recommencer une colonie qui soit une colonie peut-être pour la phase suivante qui doit arriver dans pas longtemps normalement, mais si jamais j'arrive pas à avancer dans les épisodes suivants comme je veux, ça risque de rapidement m'énerver. En fait, ce qui m'a surtout brisé le cœur, c'est la perte de Guilty et Pimpon, et ça m'énerve vachement. Je vais me rapprocher de Béton, je vais en discuter avec lui pour voir ce qu'il en pense. D'ici là, c'était Skullmasher pour l'épisode 9 de Rimworld et de la colonie Artisaning. Je vous dis à la prochaine, bye bye.